Et yo tout le monde, c'est Terridil, on se retrouve pour un petit clip shot qui aura cette fois-ci pour thème « J'ai glissé, chef ». Et oui, parce que la glissade restera toujours l'une des meilleures excuses qui soit. Vous avez été complètement nul, vous êtes rétamé, j'ai glissé. Vous avez été excellent, mais ne pouvez l'expliquer, j'ai glissé. Étant donné que vous êtes composé à 90% d'eau, ça restera toujours une excuse valable. Croyez-moi, c'est du vécu. Donc, pour ce clip shot, nous aurons un clip de Sloan Eliel 123, deux clips de Fragma, un clip de Slowker et deux clips de Pilou du 31. Allez, c'est parti! Allez, on va commencer en douceur avec un clip qui nous vient de Slowker, qui est sur Plaza, l'AR et au sniper. Il va voir un premier ennemi passer, mais n'aura pas le temps de le tuer puisque son équipe est sur le coup. Il va sortir le sniper, il va mettre un premier noscope pour mettre le premier one, il va le tuer en grand angle, puis tuer son pote en grand angle lui aussi. On pourra dire qu'il a énormément de skills ou qu'il a glissé. On va continuer avec un clip qui nous vient de Pilou du 31, qui est sur un remake d'Asylum, et donc l'équipe ennemie a quasiment marqué. Ils vont égaliser, mais il va faire un double frag et même un triple frag pour les empêcher de marquer. Ils auront tous glissé au pied du drapeau. Il va enchaîner sur le quatrième pour l'extermination, le cinquième, et il va empêcher l'équipe adverse de marquer. Un gros GG Pilou du 31 qui aura joué la team jusqu'au bout. On continue avec Fragma qui va tuer un premier ennemi avant même que j'ai le temps de le dire. Donc il se retrouve au snipe sur le remake de The Pit d'Halo 5. Et donc il va se retrouver complètement one, il se fait allumer, il va se réfugier dans la salle à l'épée. Et donc là il y a un premier ennemi qui va arriver sur ses cartes. Mais ce n'est pas tout, regardez bien, puisqu'il y en a un deuxième, un troisième. Seul un miracle peut le sauver. Un miracle ou alors simplement de l'eau sur le sol qui va faire qu'ils vont tous glisser. La grenade elle-même a glissé. Et il va donc faire un triple kill et s'en sortir alors qu'il était complètement one, et en infériorité numérique, un énorme GG à toi. Et on enchaîne avec un deuxième clip de Fragma qui va se faire extrêmement plaisir. Il vient de ramasser un sniper, les ennemis vont scorer le drapeau, mais ce n'est pas sans compter son skill absolument énorme, puisqu'il va faire deux premiers frags au snipe et va en faire un troisième au BR, mais il ne va pas s'arrêter là, il va en tuer un quatrième qui essaie de ramasser le drapeau. Mais attention, ce n'est pas fini puisque les ennemis sont nombreux, et oui, on est en BTB. Il va en tuer un cinquième, il va même en faire un sixième, les empêchant ainsi de rollback le drapeau. Il va en faire un septième, puis un huitième. Un énorme GG à toi. Quand on leur demandera pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas gagné cette partie, tu pourras dire que le sol était glissant. Et c'est au tour de Sloan Eliel 123 de briller, qui se retrouve sur Fadom, là aussi en drapeau. Il va tuer un premier ennemi au Railgun qui se retrouvait en contrebas. Un ennemi a le drapeau, il va le tuer là aussi au Railgun. Il va switcher sur son Magnum, faire le troisième et terminer sur l'extermination. Et je pense même derrière que son équipe a marqué, donc gros teamplay, gros GG à toi. Et il va même en faire un petit dernier juste pour le plaisir parce que c'est plutôt cool. Et on va terminer cette série avec un clip qui nous vient de Pilou et Milou du 31 qui sont en extermination. Et donc ce qui va se passer, c'est que Pilou il va faire un premier grain de pente, il va en tuer deux, et Milou va en faire un deuxième et en tuer un troisième. Et bien écoutez, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen de terminer ce clip shot sur le thème de la glisse avec un triple frag au grain de pente sur une partie d'extermination. C'est beau, c'est propre, enfin bref. Moi sur ce, j'espère que ce clip shot vous aura plu. N'hésitez pas à nous en envoyer si vous en avez des sympas. Et donc moi sur ce, je vous dis portez-vous bien et bien entendu, vive à l'eau !